Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir un seul sujet qui va être consacré à l'intimidation. Ça existe malheureusement et on va en parler avec deux personnes qui sont très impliquées dans ce dossier-là. Au niveau de l'intimidation dans le milieu scolaire, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la directrice par intérim d'Homme à Homme, Josée Masson. Bonjour. Bonjour José. Et quelqu'un que vous connaissez, une face connue. Là, il est co-directeur de Catara. Et je veux parler de Mario Dufresne, mais il n'est pas ici en tant que directeur de Catara. Non, du tout. T'es ici en tant qu'initiateur d'un projet qui vise à minimiser ou diminuer, éradiquer, oui. Si on veut. L'intimidation dans le milieu scolaire. Et toi, tu es un des initiateurs de ce projet-là. Oui, c'est ça. Ben, à l'époque. Pourquoi? D'où ça vient, ça? Ça vient-tu de Catara? Non, ça vient vraiment de se parler d'Homme à Homme. C'est qu'à l'époque, moi, j'étais l'agent de développement. C'est vrai, oui. D'Homme à Homme, il y a. Quelques années. Durant 5 ans. Et c'est ça. Puis un agent de développement, évidemment, si son job est bien fait, il s'en va. Parce qu'il a fait son développement. Et moi, mon rôle était de développer. Et à l'intérieur de ça, comme d'Homme à Homme, on y pensait depuis quelques années aussi que les conseils d'administration voulaient se pencher là-dessus, sur la question des jeunes, l'agressivité, la violence, l'intimidation, toutes des choses qui, en fait, se ressemblent et qui touchent les jeunes. Et un des mandats que j'avais reçu, c'était de trouver une idée qui pourrait rejoindre ces jeunes-là, leur parler dans leur langage de l'intimidation, ce dont on va discuter tantôt. OK. Et ça, parce que si ça commence à l'école, mm-hmm. toi, comme directrice d'Homme à Homme, là je suis mêlé, là, je cherchais, oui, d'Homme à Homme, c'est que, inévitablement, tes clients ou les gens qui vont à d'Homme à Homme, c'est des gens qui ont contrôlé, qui ont fait de l'intimidation, qui ont été jusqu'à des gestes violents. Tout s'imbrique l'un dans l'autre, hein? Oui, effectivement, mais on peut avoir autant des intimidateurs dans notre bureau que des intimidés. C'est-à-dire oui. qu'une personne, en réaction à la violence qu'elle a vécue, pourrait devenir lui-même intimidateur ou du moins avoir des comportements de violence à long terme, là, quand on parle à l'âge adulte. Donc, le but de la BD puis du projet, c'était entre autres d'aider à ce que les jeunes aient un langage puis aient des outils là, pour s'aider par rapport à ça. OK, là, un langage, un comportement et tout ça. Là, dans okay. leur parcours scolaire. Là, tu viens de parler de BD. Oui. On parle du projet, là. Alors, mm-hmm. en quoi ça consiste? Bon, une BD. Oui. On a déjà parlé avec Marie-Claude, ça, de la BD. Absolument. On a fait... Marie-Claude, c'est juste pour la situer, qui est la directrice, d'Homme à Homme et qui est en congé parental. Exactement. Voilà. On avait okay. fait déjà, avec la TVCRA, une apparition là-dessus sur cette... Sur c'est que le projet, globalement, s'est fait comme un peu, si on veut, en deux phases. La première phase, ça a été l'outil BD. La plupart, sinon la totalité des jeunes, ont lu ou lisent des BD. Et ce qu'on a constaté en discutant avec eux, c'est que les mangas étaient très populaires. Fait que là, bon, si on a mis ça de côté, on a dit, tiens, manga, BD. Manga, BD, ça va bien ensemble. Exactement. Et ça nous prenait un dessinateur. Mais ça nous prenait un dessinateur, bon, premièrement, qui faisait du manga, et qui aussi était concerné par la problématique de l'intimidation. Et c'est... Hey, mon Dieu, Mario, là, tu rétrécis... C'était l'entonnoir, effectivement. Ouais. Puis on voulait toujours que ce produit-là, tout ce qui concerne les scénarios, la BD, soit l'œuvre de jeunes. Nous, on n'intervenait pas du tout à ce niveau-là. C'est eux qui prenaient en main les scénarios, on leur offrait les thématiques, évidemment, qui seraient développées, mais c'est eux qui bâtissaient. Là est arrivé Kevin Jones. Kevin, c'est un jeune qui, lui, a vécu l'intimidation à l'école à un point tel qu'il a abandonné, tout simplement. Il a abandonné l'école.
à cause qu'il se faisait intimider sur une base régulière au secondaire. C'est un jeune qui dessine magnifiquement, de toute façon, on le voit, l'œuvre est ici. Et là, on est allé rencontrer des jeunes à la polyvalente de Thetford, à la Maison des jeunes. On leur a fait part du projet comme tel. Eux, les jeunes intéressés ont pris des scénarios, ont décidé de monter des scénarios. Ces scénarios-là, ils les ont écrits, comme je disais, nous, on n'est pas intervenus du tout. C'est leur langage, c'est leur vécu, c'est le vécu d'amis aussi qu'ils ont mis en mots. Ensuite, et Kevin les a mis en image. Et nous, dans un troisième temps, parce que c'est quand même des outils pédagogiques, on a accolé à ça des textes dits didactiques qui amènent l'aspect pour permettre l'animation par les profs, les intervenants ou tout ça. Fait que ça, c'est globalement la partie BD. Puis ça, ça fait déjà quelques années, là. Et celui-là, 2 ans complétés. OK. Et la BD a des thèmes, là, parce que les enfants, ou les, c'est-à-dire les adolescents, j'imagine majoritairement, là, oui. Avaient à s'orienter sur des thèmes. Alors, quels sont les thèmes que vous avez? On les a parlé de violence, d'intimidation, de cyber-intimidation, puis tout ça, de relations de couple. En vrac, on les a donné différents sujets, comme j'expliquais un petit peu tantôt, à travers lesquels ils pouvaient puiser. Ensuite, ceux qu'ils ont retenus parce que ça les rejoignait, c'est là qu'ils ont fait leur scénario. OK. Mais c'est eux qui décidaient complètement de ce qu'ils voulaient faire. OK. Ça, c'est la première partie du projet. La deuxième partie, ça consiste en... C'est des capsules, dans le fond, vidéo, qu'on offre comme outil pédagogique pour les enseignants ou pour les... Même, on parlait d'animateurs de maison des jeunes. Ça peut être aussi un psychoéducateur dans une école. Donc, c'est des capsules dans lesquelles on demande aux jeunes leur avis d'expert sur un sujet pour qu'ils disent, bien, est-ce que eux perçoivent de cette situation-là. Et ensuite, on a des vrais experts qui, eux, viennent mettre en mots un petit peu c'est quoi la problématique, puis l'expliquer là, dans des mots que les jeunes vont comprendre, mais qui sont un peu plus scientifiques, disons. Là. Des capsules, quand tu parles de capsules, d'une durée de quoi, 30 secondes, une minute ou... On parle de presque 30 minutes. Ah, oh, ce sont des émissions là, oui, élaborées. Là, mais la façon dont ça a été divisé... On peut, pareil, parler de capsule parce que chaque problématique abordée est divisée en thèmes. Donc là, on parle d'un petit 5 minutes là, un petit 5 minutes, un 5 minutes, un 5 minutes. Ce qui fait que lorsqu'on l'utilise comme outil pédagogique, on peut vraiment isoler un extrait, en discuter avec nos jeunes en classe comme une capsule. Puis globalement, pour faire le tour, on y a été à... environ 30 minutes. Et ça aussi avec la collaboration de TVCRA. Bon, ben ça, je ne suis pas surpris, hein? vous avez parlé de 4. Oui. 4 émissions, 4 capsules. Est-ce que vous aviez des thèmes principaux? Cette fois-ci, oui. Et les questions étaient directement dirigées. C'est-à-dire que cette fois-là, c'est nous qui décidions de quelles questions on aborderait avec les jeunes. L'inverse de la BD. Parfait. Parce que ces mêmes questions-là étaient ramenées. Et là, les jeunes avaient à s'exprimer. À s'exprimer, mais par contre, librement. Okay. On avait la cyber-intimidation, qui est un phénomène connu de plus en plus avec les médias sociaux. On n'a pas à élaborer plus que ça là-dessus, on le sait. L'intimidation en tant que telle, sous toutes ses formes, la loi 56 et, finalement, le contrôle. Le contrôle à l'intérieur des relations de couple chez les jeunes. Il y a un préjugé. Oui. Là, tu viens de parler du contrôle. Du contrôle, oui. Il y a un préjugé qui dit que les gars sont contrôlants et les filles pas. Je dis bien que c'est un préjugé, hein? Oui, tout à fait. Ça te fait rire, toi, José. Les jeunes, la plupart, disent la même chose que toi, Pierre, que le contrôle... Non, moi, je ne dis pas ça, je dis que c'est un préjugé. Oui, c'est ça. Donc, que le préjugé. Exactement, que le contrôle n'est pas plus masculin que féminin, que c'est un préjugé de dire,
Mais c'est pas toutes les jeunes. Puis il y a quelque chose de vraiment le fun à voir dans. Parce que les capsules sont aussi drôles, je vais dire. Bon. C'est pas toujours très sérieux. Est-ce qu'on peut en écouter un extrait? Oui, avec plaisir. Bon, ben, on va demander à Luc de nous passer un extrait sur le contrôle. Ouais. Non. Oui. Non. Non. Les deux sens. Non. Non. Les filles aussi contrôlent. Oui. 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 Non. 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 On attend tout le temps juste parler des hommes parce que c'est eux qui vont frapper plus fort puis qui vont. Ils vont se tenir. Mais les femmes, ils peuvent autant être. Oui, mais les femmes, ils jouent dans la tête. C'est ça, c'est plus subtil. C'est plus subtil. Je pense que c'est ça, la mentale. La manipulation. Ouais. Les filles aussi peuvent contrôler leur chum. Oui, mais il y a plus de gars. Ouais, c'est plus rare, les filles. Ouais, c'est plus rare. Non, c'est plus les filles qui sont contrôlantes. On en parlera. Ouais. Justement, on en reparlera. Est-ce que le contrôle, c'est typiquement masculin? Et là, je lance la question aux deux. Madame Gagné, peut-être en premier. Mais non, c'est pas typiquement masculin. Les formes peuvent être différentes. Bon, ben on a eu notre réponse, hein? La contrôle, c'est pas juste masculin, c'est également féminin. Alors, José... Bien qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Oui, on a vu, il y en a qui s'expriment bien, hein? Oui. T'as parlé d'une des capsules, loi 56. Loi 56. Juste pour... Pour personnellement, là, loi 56, moi, ça ne me dit rien. Et alors, éclaire-moi. Tu n'es pas le seul non plus. Quand on a c'est quoi cela? Quand on a demandé aux jeunes, sauf vos téléspectateurs pourront le voir éventuellement, quand on a demandé aux jeunes, c'est quoi la loi 56? Ah, ben si tu me le demandes, moi, là, silence là total. Ça va être un silence, moi aussi. Et ça, par contre, à mon avis, c'est symptomatique et c'est même problématique qu'on ne sache pas. Qu'est-ce que la loi 56? Oh, et là, ce que je vais dire... Je devrais être gêné, moi, de ne pas savoir c'est quoi la loi 56. Non, c'est que tu n'as pas à être gêné parce que la plupart ne sait pas qu'est-ce que la loi 56. La loi 56, c'est la loi qui oblige toutes les commissions scolaires à mettre en place un mécanisme chez eux pour combattre l'intimidation avec un ombudsman, avec des personnes ressources et tout ça. Et qu'on ne sache pas que ça existe. Là, on s'est dit, wow, on a un rôle, nous aussi, à jouer là-dedans, mm-hmm. c'est-à-dire de le diffuser le plus largement possible pour dire aux jeunes et à leurs parents aussi, mais vous êtes intimidés, mais vous avez des droits, vous pouvez être protégés. Et si c'est encadré par une loi, et cette loi-là, elle est du ministère de l'Éducation. Ah bon, c'est ce qu'on appelle la loi 56. Vois-tu, moi, là, tu viens d'éclairer ma lanterne, pas à peu près, là. Mais maintenant que cette BD-là est faite, que les capsules sont faites sur quatre thèmes, là, qu'est-ce que vous faites maintenant avec ça? Bien là, nous, on a un partenariat, dans le fond, avec la Maison des jeunes, qui, eux, sont vraiment impliqués dans le projet depuis le tout début. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des jeunes de la Maison des jeunes qui ont participé. Donc, on amène les BD... directement à la Maison des jeunes de Thetford et, mais dans le fond, par extension, de Black Lake. Et dans le fond, la directrice s'occupe du contenu avec ses jeunes à elle. Entre autres, on a une participation à un souper là, dans lequel elle va inviter des jeunes intimidés à venir un petit peu parler de leur expérience puis se rapprocher entre eux dans les buts de s'aider entre personnes qui sont victimes d'intimidation. Et donc, nous, on va partager un petit peu le contenu de la BD à ce moment-là puis les capsules pour expliquer aux jeunes bien, qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à l'intimidation, quels sont leurs droits. Comme on disait, la loi 56, c'est important de la connaître. Mais aussi, pour l'intimidateur, qu'est-ce qu'il peut faire pour cesser le comportement ou qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider à justement qu'il arrête là, de faire ce genre de comportement-là. Fait que... Il y a ce projet-là qui est en place, puis on a aussi des ateliers qui sont prévus là, dans les écoles pour la gestion de l'agressivité des 12-17 ans et dans lesquels on va utiliser probablement le contenu de la BD et des capsules au besoin, selon ce que les enseignants veulent. Oui. Là, on est au début du mois de décembre. Oui. Qui dit décembre, dit... Cadeau de Noël. Ah, bon, alors tu viens trop. Est-ce que c'est possible pour les gens là, qui nous écoutent, qui sont intéressés? C'est une BD. Bon. Mm.
Oui. Alors, est-ce que je peux l'acheter, la BD? Oui, bien, pour l'instant, on en a dans les bureaux de Dom à Homme. Si les gens veulent en faire la demande, ils ont juste à appeler Dom à Homme et nous, on va pouvoir... Ah, bien, alors là, tu vas me donner le numéro de téléphone. Oui. 418-335-9717. Alors, oui. 418-335-9717. Oui. De toute façon, Luc va se faire un plaisir de le mettre là, sur, à l'écran. Et il faut dire que Dom à Homme, comme par hasard, est situé au centre communautaire Marie-Agnès-Desrosiers. Voilà. Alors, en face de l'église Saint-Alphonse, Catara aussi, télévision communautaire aussi. Alors, on est tous des bons voisins de Malier, voilà. Des fois, même. Et ça coûte combien pour se procurer une BD? Bien, pour le grand public, le prix est de 7 $. Pour les partenaires qui ont collaboré, là, le prix va être ajusté en fonction de la demande aussi. Okay. Là, mais pour le grand public, c'est 7 $. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, ne serait-ce que faire un cadeau à leurs petits-enfants ou leurs enfants pour acheter une BD... Ils peuvent se présenter directement à l'organisme. Ça va nous faire plaisir de leur montrer le contenu. Puis sinon, bien, de répondre à leurs questions. Ils peuvent se présenter directement, sinon ils peuvent appeler tout simplement. Puis on pourra leur envoyer par la poste. Là. Ça, il n'y a pas de problème. Ah oui? Bon, ça pourrait être une option. En plus, c'est que un parent, parce qu'on parlait d'intervenants, on parlait de professeurs et tout ça, mais un parent peut facilement s'asseoir avec son jeune, ses jeunes, puis échanger. Puis échanger là-dessus. Parce que toute la partie, et puis c'est ça aussi que je veux pas que les gens aient peur de la partie didactique, même si on utilisait ce terme-là, tout a été vulgarisé de façon à ce que quelqu'un qui intervient, qui a un contact avec des jeunes, qui est en situation de responsabilité, puisse facilement utiliser ça, pas besoin d'être prof non plus pour le faire. Puis son jeune va suivre la bande dessinée en même temps. Mm-hmm. Puis, tu sais, fait que c'est une chose, c'est une belle activité qu'on peut faire en dessous du sapin. Oui. Pourquoi pas? Ben. Parce que c'est un sujet qu'il faut pas faire à semblant que ça n'existe pas, là, malheureusement. Le cacher, ça aide pas non plus. Ça, au contraire, ça va faire en sorte que le jeune va rester avec son problème. Tandis que si on en parle avec lui, ça va peut-être faire en sorte qu'il va avoir des dévoilements intéressants, là, qui vont pouvoir être travaillés avec les parents ou la commission scolaire ou la TES, etc. Et comme tu disais, à un moment donné, malheureusement, ça peut devenir un de vos... J'ose pas utiliser le mot client, là, mais une personne qui va avoir besoin... De nos services. De vos services. Mm-hmm. Malheureusement, bien qu'on donne du bon service pour les aider, mais on ne le souhaite pas, non, effectivement. Tu sais, je veux dire, la plupart des organismes communautaires, le but, c'est de venir en aide aux personnes. Et le jour où ces organismes-là n'existeront plus, on va vivre sur un nuage. Effectivement. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de problématique de violence. Il n'y aura plus de problématique de violence, mais malheureusement, vous êtes encore là pour quelques années. Je pense aussi. C'est sûr que la sensibilisation est importante. Et dans les écoles, là, les enseignants, les directions ont accès à toute la documentation que vous avez déjà au niveau des capsules qui ont été tournés par la télévision communautaire. Ça, là, c'est accessible à tout le monde? Pour l'instant, la personne ressource qui a accès aux capsules, surtout dans la commission scolaire des Appalaches, c'est la TES. Dans le fond, une des personnes qui a participé aux capsules vidéo, Caroline Gagné. Puis, elle, dans le fond, a le contenu, mais à sa demande, on le fournit puis on les distribue aux besoins. Lorsqu'on va aller dans les écoles faire les ateliers, dans le fond, de sensibilisation pour la gestion de l'agressivité, on va en distribuer aux élèves qu'on va rencontrer aussi. On veut vraiment que le contenu soit disponible à tous. Là, Tu parles de distribuer, tu parles toujours de la BD? La BD. Okay. Les capsules vidéo sont disponibles pour l'instant sous forme de lien web. Si la personne nous demande une clé USB avec le contenu de la capsule, il n'y a pas de problème, on pourra le fournir. Là, selon la demande, on va y aller en fonction de... Vous êtes rendu là? Oui. Voilà. Oui, là, le coffre à outils est, pour ainsi dire, vraiment bâti. Là. Bon, il y a l'aspect visuel, puis l'aspect écrit, les deux ensemble et complété et justement font un coffre complet. T'sais, on démarre avec la BD et ensuite on poursuit avec les capsules. C'est là qu'on peut rentrer plus à fond puis de confronter les discussions. Ouais. Mm-hmm.
Mais toi, personnellement, Mario, maintenant que tu travailles à Catara, qui est le comité d'aide aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Ah, j'ai appris ma leçon. Hein? Oui. Toi, ça, je veux dire, en tant qu'organisme, ça te touche peu ou pas? Moi, maintenant, j'ai plus rien à voir là-dedans. OK. Ma partie, la conception, la rédaction des textes et les entrevues et tout ça, c'est fait. C'est ça que j'avais à faire à Domaham. Puis, comme je disais au début, c'était la fin de mon mandat d'agent de développement. On voulait terminer en abordant, au niveau du développement, tout l'aspect jeunesse. Fait que là, un coup ça terminé, moi, ça va... Je ne demande pas mieux que de voir ça se promener, là. Mon nom n'est plus long, là. Mais est-ce que ça peut, José... Bon, alors, maintenant, ça repose à Domaham, là. Alors, est-ce que ça pourrait déborder le cadre régional? Parce que c'est un thème universel, là. C'est pas même pas local, ni régional, ni provincial. C'est universel. Alors, est-ce que vous pourriez intéresser d'autres... comme vous, là, vous avez un réseau, vous autres, là, Domaham, à un moment donné, si toi, tu dis... À ton organisme, moi, là, j'ai des outils qui viennent aider à contrer l'intimidation dans le milieu scolaire. Est-ce que ça se fait, ça? Ça pourrait s'exporter dans différents milieux. C'est sûr que pour les traductions et autres, il faudrait voir, mais en général, oui, ça s'exporte très bien. C'est pas juste pour la région. Le langage est vraiment le langage des jeunes, oui, de Thetford et des environs, mais c'est le langage des jeunes général. Je veux dire, ça serait exportable n'importe où au Québec. Oui, effectivement. Entre autres. Puis si on parle de l'album, comme c'est une vraie BD aussi, juste un exemple, au Salon du Livre de Québec, c'est quand même notable aussi, au Salon du Livre de Québec, on a été invité, le dessinateur, on a eu droit à un stand gratuit. Ah oui? Oui, qui a été offert parce que justement, ça traitait sous la forme de BD, ça traitait d'intimidation et la direction du festival, du Salon du Livre de Québec, la portion bande dessinée, a été enchantée du produit et nous a offert, qu'on est un organisme communautaire, tout à fait gratuitement un stand avec une entrevue sur scène aussi. Ça fait une belle ouverture. Fait que c'est pour dire que. T'sais, parce que je reviens sur le cadeau de Noël dont parlait José, c'est aussi une vraie BD. C'est pas juste un outil scolaire, mais c'est un outil scolaire, mais c'est aussi agréable à lire. Ouais. Puis les dessins sont tellement beaux. Oui, bien, comme tu disais tantôt, t'as mêlé l'utile à l'agréable. Ouais. Les BD, même moi, adulte, j'en lis. et là, les mangas, bon... oui, j'en lis, moi aussi. Alors là, les jeunes qui sont intéressés et par la BD et par le manga, whoop, ils ont un aimant, là. Mm-hmm. Peu importe le sujet. Oui, effectivement. Et là, c'est le sujet, c'est toujours en regard de l'intimidation. Tout à fait. Effectivement. Et c'est des histoires racontées par des jeunes, là. Oui. Donc, ça les touche directement, là. Ils sont doigts dans la cible, là. Lorsque les gens vont lire, vont s'apercevoir que on le sent, le vécu. Ah oui? Pas nécessairement par les auteurs. On sent aussi des fois que certaines personnes vont parler de d'autres qui sont des camarades de classe et tout ça. Quand on a fait les ateliers à la polyvalente, entre autres, évidemment, ces questions-là, on les a abordées. Qu'est-ce qui a fait, parce que par la suite, on voulait savoir, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette thématique-là, par exemple? Et là, bon, tu sais, souvent, très peu, par contre, avaient vécu directement l'intimidation. Ils étaient sensibilisés, ils voulaient sensibiliser les autres, mais ils avaient toutes et tous des amis qui, eux, avaient été concernés, et ça les bouleversait et ils étaient contents de s'exprimer là-dessus. Mmh. Fait qu'on sent la vérité. Ah bon. Écoutez, il nous reste à peu près une minute et demie. J'ai envie de vous proposer que Luc, on termine l'émission sur un autre extrait Oh, oui. pour donner un aperçu encore plus juste aux gens.
Ça vous convient? Oui. Parfait. Alors, je vous invite à demeurer des nôtres tout en remerciant José et Mario. Merci. Et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Mais restez là, vous allez voir un autre extrait. Il faut se protéger. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas alimenter. Okay. Ça, c'est très important de ne pas répondre ou ne pas défendre notre ami ou ne pas défendre notre enfant ou notre frère, notre sœur. On va alimenter le plaisir de l'auteur. On va lui donner du gaz, finalement, pour qu'il continue. Alors, c'est vraiment bloqué. Donc, on amplifie. Oui, on amplifie. C'est ça qu'il veut.